وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. La semaine dernière, nous avons fait le premier cours sur l'explication du Coran. Nous n'avons pas commencé à expliquer le Coran, nous avons parlé des règles sur lesquelles il fallait s'appuyer pour l'explication du Coran al-Karim. On a énoncé un petit résumé des règles énoncées dans le livre, dans l'épître de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui s'appelle « Muqaddibatun fi usul al-tafsir ». Donc on a parlé d'expliquer le Coran avec le Coran, avec la Sunna, avec les paroles des compagnons et les paroles des tabi'in. On n'a pas parlé d'expliquer le Coran avec la langue arabe, c'est évident. Le Coran il est en arabe, automatiquement on a besoin de la langue arabe pour expliquer le Coran et de la maîtriser. Et la base, c'est de prendre le sens, donc bien sûr la langue arabe, mais pas seule. On utilise la langue arabe, mais en expliquant le Coran par la Sunna, le Coran par les paroles des Sahaba, puis le Coran par les paroles des Tabi'in. Ou bien s'il n'y a rien de tout cela, alors on prend le sens apparent de la langue arabe. Et on ne fait pas comme justement les innovateurs ont fait, surtout concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs. Ils ont laissé le sens apparent pour aller à des sens secondaires ou autres, ou même aller à des sens qui n'existent même pas dans la langue arabe pour défendre leur école de pensée erronée. Une fois qu'on a parlé de cela, et avant de rentrer dans l'explication de la Fatiha, il y a un point qui est lié au Coran que je voulais citer pour nous les francophones. Beaucoup de gens ont des livres avec la transcription du Coran en phonétique. Il faut savoir qu'il y a unanimité entre les savants que c'est interdit d'avoir ces livres-là, d'écrire ce livre-là et de lire le Coran de cette manière-là. La phonétique, c'est considéré comme de l'altération du Coran. C'est du tahrif. Tahrif lafzi. C'est même plus lafz, c'est carrément l'ahruf. Déjà, tahrif, c'est interdit dans le Coran de rajouter ou d'enlever une lettre, ne serait-ce qu'une haraka. Alors imaginez-vous, là, c'est pas une lettre ou une haraka, c'est changer tout l'alphabet, carrément. Donc il n'y a aucun doute sur l'interdiction de cela. Tous les livres où il y a de la phonétique, barakallahu fikoum, faut s'en débarrasser. Faut les brûler, faut les jeter, les enterrer sous terre. Faut s'en débarrasser d'une bonne manière, car il y a aussi la parole d'Allah dedans. Donc ne pas les jeter dans des endroits où ils peuvent être avilis. Ou bien les détruire complètement, au point où il n'en reste plus une trace. En les brûlant ou en les enterrant dans une terre pure, il n'y a pas de mal en cela, ou même en les jetant dans la mer, car la mer est pure, et puis alhamdoulilah aussi les papiers ils se décomposent dans la mer sans aucun souci. Donc ça c'était un point dont je voulais parler qui est essentiel. Les gens vont dire oui mais il y a des convertis qui ne savent pas comment ils vont faire. Comment ils vont faire? On va les faire répéter la Fatiha. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jusqu'à qu'il arrive à dire alhamdulillah. Chaque salat, tu lui enseignes un verset. Au bout, inshallah, d'un jour et demi, il sait lire la Fatiha. Donc c'est pas compliqué, il n'a pas besoin de la phonétique. Et inshallah, s'il fait l'effort d'apprendre les lettres en arabe, d'apprendre à lire l'arabe, en quelques temps, il va apprendre à lire l'arabe beaucoup plus rapidement que de passer son temps à lire les sourates en phonétique. Non. Donc ça, c'est important, inshallah, barakallahu fikum. Tayyib. Donc le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Jibril a entendu et a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a entendu avec les lettres et le son, comme Allah ta'ala l'a dit, subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala parle quand il veut, comme il veut, car il a cette qualité, subhanahu wa ta'ala, la qualité de la parole, subhanahu wa ta'ala. Avant de lire le Coran, Allah ta'ala nous a ordonné de prendre protection auprès de lui contre Satan, le lapider. C'est pour ça, barakallahu fikum, qu'avant de lire le Coran,
c'est une obligation de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim quand on veut réciter. Il y a une différence quand, par exemple, dans une khutbah, dans un prêche, dans un dars, dans une leçon, on dit Allah a dit. Là, on ne veut pas réciter quand on dit Allah a dit. Ce n'est pas une récitation. Allah Ta'ala, il nous parle de la récitation quand on lit. C'est-à-dire quand on veut lire le Coran pour le réciter. C'est là qu'on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pas quand on dit Allah a dit. Par exemple, si tu es là, tu dis Allah a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Est-ce qu'Allah il a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Non. Tu dis Allah a dit, tu dis directement le verset. Tu dis pas l'isti'ada. Par contre, si tu veux réciter, là, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et s'il y a une coupure entre le moment où tu lis et le moment où tu veux revenir à la lecture, tu fais autre chose, ou tu parles à quelqu'un, ou tu fais carrément autre chose, tu dois dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. De même, au début de la prière, tu dois dire obligatoirement A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de réciter la Fatiha à voix basse. Il y a eu divergence entre les savants. Est-ce que c'est à chaque raka'ah ou si c'est seulement dans la première raka'ah? Le plus juste, wallahu a'lam, c'est que c'est à chaque raka'ah. Pourquoi? Car il y a eu plusieurs paroles, plusieurs gestes, plusieurs choses qui ont été faites après la récitation du Coran. Donc on a besoin de redemander protection à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a eu une rupture, on va dire, entre la première récitation et la deuxième. Ceux qui voient que c'est une obligation dans la première raka'ah et pas dans les autres disent qu'en fait cette rupture qu'il y a eu, elle n'est pas significative. Voilà la divergence. Wallahu a'lam. Après cela, Allah Ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Et justement, est-ce que Allah Ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim? C'est la question que les savants se sont posés, car il faut savoir que dans les masahif qui sont rapportés bi riwayati warsh, il n'y a pas Bismillahirrahmanirrahim. On sait tous que les masahif, ils ont été transcrits mutawatiran, ils ont été appris par cœur par un très grand nombre de gens, jusqu'à un très grand nombre de gens. L'écriture n'est qu'un pense-bête, ce n'est pas la base. La base, c'est ce que les gens, ils l'ont appris par cœur. Puis après, la base, c'est devenu mushaf al-imam, ce que Uthman radiallahu anhu a demandé de réunir dans la langue de Quraysh. Et que tout a été réuni dans cette langue-là, et que tous les sahaba ont été unanimes pour cela, en cela. Wadih? Donc, Bismillahirrahmanirrahim, comme on a dit, donc on se base sur la base du tafsir, on va rester général, essayer de traduire l'essence du tafsir de l'imam Sa'di, rahimahullah. Quand il y a un intérêt ou quand il y a certaines règles à citer importantes, des fois on ramènera certaines paroles du Cheikh Mohamed Amin Shankiti, rahimahullah, dans Adwa al-Bayan, ou d'Ibn Kathir, ou d'autres savants, sans rentrer dans les détails qui sont dans ces livres-là, sinon on ne finira pas de la Fatiha avant plusieurs cours. Donc quand il dit Bismillahirrahmanirrahim, je commence. Quand on dit au nom d'Allah, il y a un sous-entendu. Au nom d'Allah, ça ne veut rien dire de dire au nom d'Allah, comme ça directement. Tu sous-entends quelque chose. Tu sous-entends, je commence au nom d'Allah. C'est clair? Quand il dit Bismillah, au nom d'Allah, ici l'imam Sa'di dit, je commence par tous les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme il dit, car ici l'ism, il est au singulier et il est annexé. Donc, ça veut dire que c'est dans le sens qu'il énonce en cela tous les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, magnifique. C'est-à-dire, quand il dit Bismillah, je commence par tous les noms d'Allah. Vous imaginez, est-ce qu'il y a une meilleure manière de commencer que cela? Quelqu'un qui commence et qui prend appui et qui prend aide et qui ouvre son assise ou son écrit ou quoi qu'il soit par tous les noms d'Allah, c'est la meilleure manière de demander la baraka et la bénédiction pour cette chose-là et pour la commencer au mieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu dans le hadith que celui qui ne commence pas une action par le nom d'Allah, son action est tronquée. Naam. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est celui, subhanahu wa ta'ala, qu'on vénère, qu'on adore, la divinité qu'on adore, subhanahu wa ta'ala, dans le sens. Celui qui mérite qu'on l'adore seul, subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il a comme qualité et attribut de divinité, de seigneurie et de ses noms et de ses qualités parfaites, subhanahu wa ta'ala. Non. En ce qui concerne Bismillahirrahmanirrahim, dans la prière, le fait de dire est-ce que ça fait partie de la Fatiha ou non, on n'en a pas parlé. Les savants ont divergé. Je vous ai dit donc qu'il y a dans les versions des Riwayat Warsh, elle est venue sans le Basmala, la Fatiha. C'est directement Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Dans les autres Riwayat, la Basmala, elle a été énoncée. Et ça, Cheikh Mohamed Al-Amin Shinqiti, rahimahullah, il dit qu'il n'y a pas de mal en cela, car comme il a été rapporté dans certaines lectures du Coran, il y a un waouh en plus, par exemple, waouh al-atf, et dans d'autres, il n'y a pas waouh al-atf. Donc il est possible que dans certaines lectures, il y a le basmala, et dans d'autres, il n'y a pas le basmala. Il voit, lui, donc, que si on lit bi-riwayati warsh, on ne dit pas bismillahirrahmanirrahim. Par contre, si on lit bi-riwayati hafs, par exemple, on va lire bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est l'avis du Cheikh Mohamed Amin Shankiti, rahimahullah. En ce qui concerne les autres savants, anciennement et parmi les contemporains, ils se sont partagés en
trois groupes. Ceux qui disent qu'on le lit, on est obligé de le lire. Ceux qui disent que ça fait partie de la Fatiha. Ceux qui disent que ça ne fait pas partie de la Fatiha. Dans ceux qui disent que ça fait partie de la Fatiha, ceux qui disent qu'on le lit à voix haute dans la prière. Et d'autres qui disent qu'on le lit à voix basse. Et d'autres qui disent qu'on le lit pas du tout. Ceux qui disent qu'on ne le lit pas du tout, c'est l'imam Malik rahimahullah. Lui dit qu'on ne lit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Directement. Vous remarquerez, c'est pour ça, la plupart des imams maghrébins, et on n'a même pas le temps de dire Dua al-Istiftah. Allahu Akbar, on n'a même pas le temps de dire Subhanaka Allahumma, wa bihamdika wa tabaraka subhanaka wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruk. On n'a le temps de rien dire du tout. Ou alors les autres doigts qui sont plus longues, alors là encore, on peut pas le dire du tout, car dès qu'ils disent Allahu Akbar, ils enchaînent avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ni le temps de faire l'isti'adha, ni le basmala, ni rien. Wa sahih, comme on a dit, l'isti'adha c'est obligatoire, c'est ce qu'Allah nous a demandé à chaque fois qu'on doit lire le Coran, et le basmala aussi, il faut le dire, sauf si on lit le warsh en prenant l'avis de Cheikh Mohamed Al-Amin. Le plus sûr, Allahu A'lam, c'est de le dire à tous les coups, on le dit à voix basse. Car c'est ce qui a été rapporté dans les hadiths sahihas que ni le prophète ni les quatre califes ne le disaient à voix haute. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ça, c'est le résumé. Naam. Si quelqu'un le dit à voix haute, il n'aura pas fait une bid'a. C'est une interprétation, car il y a des hadiths aussi sur lesquels il s'appuie. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lisait le Coran, il allongeait sa lecture en disant Bismillahirrahmanirrahim. Donc, ils ont énoncé la basmala en imitant la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Bismillah, on a expliqué. Ar-Rahman ir-Rahim, c'est deux noms qui indiquent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a la miséricorde énorme. La miséricorde qui englobe toute chose subhanahu wa ta'ala et qui touche toute chose vivante. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a écrit cette miséricorde pour les pieux et ceux qui les ont suivis, les prophètes, les messagers. Ceux-là, ils ont la miséricorde absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ceux en dehors d'eux, ils n'ont qu'une partie de cette miséricorde. Et il faut savoir que les pieux prédécesseurs, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il faut avoir la foi dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de croire qu'Allah c'est le miséricordieux Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est celui donc qui a ces qualités-là subhanahu wa ta'ala. Tous les bienfaits que l'on voit dont les gens sont touchés ne sont qu'un effet de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas d'attributs et de qualités sans qu'elles aient des effets. Ce ne sont pas, comme certains pourraient croire, des noms et des qualités comme ça sans qu'elles aient des effets. Quand on dit Allah ta'ala c'est Ar-Rahman, automatiquement ça implique que sa miséricorde touche ses créatures. Et c'est comme ça dans tous les noms et les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms et les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles impliquent les effets sur ses créatures et dans la création. Donc on ne dit pas, comme ils disent les mubtadi'a, savant sans science. Non, alimun dhu ilm, savant avec science, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a toutes ces qualités-là, elles ont donc, comme on a dit, un effet sur ses créatures. Ar-Rahman ir-Rahim, Ar-Rahman, c'est pour toutes les créatures, que ce soit les musulmans ou les mécréants, pour tous ses serviteurs. Tout le monde est touché par la rahma générale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ar-Rahim, c'est spécifique pour les croyants, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Et il est certes avec les croyants rahim, plein de miséricorde. Donc c'est spécifique pour les croyants. Certains savants ont dit que c'était spécifique pour les croyants le jour du jugement dernier. Il va les traiter avec miséricorde le jour du jugement dernier. Mais en vérité, comme l'explique Cheikh Mohamed Al-Amin dans l'Adwa, que ça ne veut pas dire spécifiquement dans le jour du jugement dernier, mais c'est aussi dans ce monde. Mais c'est spécifique aux croyants. La preuve de cela, c'est la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « Rahman ad-dunya wa rahimahuma »« Rahman ad-dunya wa l'akhira wa rahimahuma » Là, ça me prouve bien que sifat ar-Rahim, elle touche ce monde et l'au-delà. Mais elle est spécifique aux croyants, comme ça a été clairement décrit dans le Coran. En résumé, la miséricorde absolue, elle est pour les croyants, les prophètes, les messagers et ceux qui les suivent. Alors que les mécréants n'ont qu'une partie de cette miséricorde-là dans le dunya, c'est dans les choses matérielles. C'est que même si ces gens, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils l'insultent, même s'ils ne lui obéissent pas, même s'ils ne l'adorent pas, même s'ils lui donnent des associés, Allah ta'ala leur donne à boire, Allah ta'ala leur donne à manger, il leur donne la vie, il leur donne des moments quand même de joie dans ce monde, il les protège. Donc cette miséricorde, Allah ta'ala, il l'a écrite pour toute créature. Naam. Puis,
Allah Ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, c'est le fait de louer Allah Tabaraka wa Ta'ala par tous ses attributs complets. Et les actes d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ils sont entre le bienfait et la justice. Je vais expliquer cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Les actes d'Allah sont entre le bienfait et la justice. Donc Allah Ta'ala, il a la louange complète de toutes les manières possibles et imaginables. Quand on dit que les actes d'Allah sont ou bien un bienfait ou bien une justice, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, par exemple, pour donner le meilleur exemple, on va parler du jour du jugement dernier. Les croyants qui vont entrer au paradis, ils vont entrer au paradis par quoi? Par le bienfait d'Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولو انت يا رسول الله قال ولو انا الا يتغمدني الله برحمه منه وفضل. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit approchez-vous de la perfection et soyez constants et sachez que personne d'entre vous ne sera sauvé que par ses actes. Ils ont dit même pas toi ô messager d'Allah. Il a dit même pas moi sauf si Allah me couvre de son bienfait et de sa miséricorde. Donc on comprend que personne n'entre au paradis par ses actes, mais les gens entrent au paradis par le bienfait d'Allah. Les œuvres et les actes sont un moyen de gagner la satisfaction d'Allah. Et par cela, si Allah est satisfait de nous, alors il nous couvre de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Donc la cause pour gagner le bienfait d'Allah, c'est de faire les bonnes œuvres, de lui plaire. De faire en sorte qu'Allah soit satisfait de nous. C'est pour cela que l'on dit donc, ceux qui entrent au paradis, c'est par le bienfait d'Allah. Ceux qui entrent en enfer, c'est par la justice d'Allah. C'est pour ça que tous les actes d'Allah, toutes ses décisions, que ce soit sur terre, sur la personne, dans ses affaires personnelles, dans les affaires générales, dans l'au-delà, elles sont ou une grâce de sa part, ou par justice. Allah Ta'ala, il s'est interdit lui-même l'injustice à lui-même. Et il l'a rendu interdite entre nous, comme il est venu dans le hadith al-Qudsi de al-Khawalani. Le hadith al-Qudsi, le long hadith al-Qudsi qui est connu, d'Abu Idris al-Khawalani, où il s'est metté à genoux pour le citer. Donc, dans ce hadith, Allah Ta'ala dit, « Ya ibadi, inni harramtu al-zulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tazalamu. » Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même, et je l'ai rendu entre vous. Interdite, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc Allah Ta'ala, ses actes, ils sont entre le bienfait et la justice. Il n'y a rien sur terre qui se passe sans que ce soit ou un bienfait d'Allah ou la justice d'Allah. Wadih ? Ni dans l'au-delà. Et ceux qui ont un doute sur ça, c'est un kafir, parce que c'est celui qui traite Allah d'injuste. Et tout ce qu'Allah fait, c'est par sagesse, subhanahu wa ta'ala. Même le mal qu'on voit dont les gens sont atteints, dans l'absolu, ce n'est pas un mal. C'est un mal derrière lequel il y a un bien, ou pour la personne, ou pour d'autres personnes, ou il y a un bien général, c'est-à-dire le bien qu'on soit tous éprouvés, etc., etc. Naam. Alhamdulillah. La louange est à Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme il dit Cheikh Mohamed Al-Amin, dans Abwa al-Bayan, en parlant de la louange est à Allah, il dit ici, Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas à citer la louange liée à un endroit ou à un moment. Il a dit Alhamdulillah, alors que dans certains versets, il l'a lié à des endroits ou des moments. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, dans sourate Ar-Rum, وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et à lui appartient la louange dans les cieux et la terre. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. Donc ça, il l'a lié à des endroits, c'est-à-dire sur terre, à des moments, c'est-à-dire dans ce dunya et dans l'au-delà. Alors que quand ici il dit Alhamdulillah, sans citer un endroit, ni sans citer un moment, cela veut dire que ça englobe toutes les louanges dans tous les endroits, dans tous les moments. Et comme il a dit ici l'imam Sa'di en résumé, min jami'il wujuh, de toutes les manières imaginables, est possible. Et subhanallah, on revient à la parole qu'on avait dit au début, que certains spécialistes du tafsir, ils avaient commencé à étudier le tafsir d'Ibn Sa'di ou de l'imam Sa'di
Puis, ils ont étudié des tafsirs beaucoup plus longs, des exégèses beaucoup plus longues, beaucoup plus détaillées. Et ils ont dit à la fin, on s'est rendu compte en fait qu'on devrait rester sur le tafsir de Sa'di, car en fait, il a résumé les sens qu'on trouve dans les autres tafsirs, il a résumé les sens les plus importants. Ici, regardez toutes les phrases qui sont expliquées par Cheikh Mohamed Al-Amin ici en détail. Cheikh Sa'di l'a dit, « Walahu alhamdu min jami'il wujuh ». Il l'a résumé en deux mots. Donc, subhanallah, chaque mot qu'il a mis dans son tafsir, derrière, il y a des explications. En fait, le tafsir, il a besoin d'un tafsir. Le tafsir de Sa'di, on pourrait l'expliquer avec les autres tafsirs, en vérité. Avec tous les autres tafsirs. Tellement il renferme, mashallah, de sens et d'explications, et chaque mot a été choisi. C'est pas des mots qui ont été dits comme ça, par hasard. Non. Quand il dit ici, « Walahu alhamdu min jami'il wujuh », lui, il sous-entend ce sens qu'on a cité après dans la parole de Cheikh Mohamed Al-Amin Shanqiti, c'est-à-dire min jami' al-wujuh, c'est-à-dire sur terre, dans le ciel, dans tous les endroits, à toutes les époques, etc., etc. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a traduit en français à chaque fois ce que ça veut dire alhamdulillahi, chaque mot. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je commence par tous les noms d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah, la louange est à Allah, toute la louange appartient à Allah, Rabbil Alamin, Seigneur des mondes. Naam. Ar-Rabbu, ici il a cité le nom Ar-Rabb, huwa al-Murabbi, c'est le Seigneur, l'éducateur de tous les mondes. Et tous les mondes, c'est qui? Masi Wallah. Tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est ça, tous les mondes. Comment il est leur éducateur et leur Seigneur? En les créant, en créant pour eux tout ce dont ils ont besoin, en leur donnant tous les bienfaits qu'ils ont, les bienfaits énormes et grandioses, que s'ils n'avaient pas, subhanallah, ils ne pourraient même pas rester en vie. Ils n'ont pas un bienfait qui les touche sans que ça vienne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'éducation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par rapport à ses créatures, elle est de deux sortes. Une éducation générale et une éducation spécifique. L'éducation générale, c'est le fait qu'il ait créé toutes les créatures, qu'il leur donne leur subsistance, qu'il les guide à ce qui est bon pour eux, pour pouvoir rester vivants sur cette terre. Ça, c'est général à tout le monde. C'est-à-dire, il a guidé l'homme, il lui a donné l'intelligence pour qu'il sache ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui, pour pouvoir rester vivant sur terre, se procréer, etc. Alors que l'éducation spécifique, c'est l'éducation d'Allah pour ses bien-aimés. Et c'est l'éducation de la foi. Et il écarte d'eux, il éloigne d'eux, les choses qui peuvent nuire à leur religion. Et il éloigne d'eux les remparts entre ses serviteurs et Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur facilite l'accès à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, la réalité de tout cela, c'est l'éducation de at-tawfiq, la permission de réussir. C'est qu'Allah, il permette, il donne la réussite à ses bien-aimés subhanahu wa ta'ala. Il leur permet de réussir et d'accomplir ce pourquoi ils sont sur cette terre. Et c'est de les préserver de tout mal. Et l'imam Sa'di dit, et ceci, لَعَلَّ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ السِّرُّ فِي كَوْنِ أَكْثَرِ أَدْعِيَاءِ الْأَنْبِيَاءِ بِلَفْظِ الرَّبِّ. Il a dit, sûrement, le secret que la plupart des invocations des prophètes, c'est avec le nom Rabb. Rabbana, Rabbi, Rabbi, Rabbana, Rabbana. Pourquoi? Dans le sens, Ya Allah, c'est toi qui m'éduques, c'est toi qui me permets, c'est toi qui me préserves de tout mal. Et ils disent donc sûrement le secret de pourquoi la plupart des invocations des prophètes, c'est avec Rabbana et pas Ya Ilahi, par exemple. Regardez même la plupart des du'as qu'on trouve dans le Coran, les Rabbana, 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 Rabbi. Les du'as du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, combien il y en a avec Rabbana? Il y en a même certains qui ont réuni les livres, les 40 Rabbana ou les je ne sais combien de Rabbana, hein, pour montrer combien elles sont nombreuses. Naam. Donc, tous les besoins qu'ils ont, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça entre sous cette éducation spécifique, sous ce sens de Rabb. Donc, Rabb subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur et l'éducateur de toutes les créatures qui les créent, qui leur donne leur subsistance, qui les guide à ce qui est bénéfique pour eux pour rester sur cette terre vivant. Et l'éducation spécifique pour ses bien-aimés, qui leur permettent de faire le bien, qui leur augmentent leur foi, qu'ils préservent leur foi, qu'ils préservent leurs actions, qu'ils leur permettent d'apprendre leur religion, de la mettre en pratique, etc. etc. Ici aussi, Cheikh Mohamed Al-Amin a donné un peu plus de détails en parlant de Rabbil Alamin. Il a dit,
En parlant de l'alamin, le mot l'alamin, les mondes. Ici, il dit dans le Fatiha, Allah Ta'ala n'a pas expliqué qu'est-ce que c'est l'alamin. Donc vous avez vu depuis tout à l'heure, quand on est revenu à Adwa al-Bayan, Adwa al-Bayan, il a appris fi idah al-Qur'an et bil-Qur'an. Donc, à chaque fois, il explique des versets avec d'autres versets. Vous avez vu tout à l'heure, quand il a dit Alhamdulillah, il a été ramené d'autres versets qui parlent de l'hamd. Ici aussi, il dit ici, il n'explique pas qu'est-ce que c'est l'alamin. Mais il l'explique dans d'autres versets. Dans Surat al-Shu'ara, les poètes, Allah Ta'ala a dit « Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin »« Qala rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma » Donc, Al-Shu'ara, verset 23-24. Pharaon a dit « Et quel est le Seigneur des mondes ?» Qala, Moussa, donc Moussa a dit, il a dit « Le Seigneur des cieux et de la terre » وَمَا بَيْنَهُمَا et ce qu'il y a entre eux deux. Donc l'alamin, c'est ça. C'est ce qu'il y a dans les cieux, ce qu'il y a dans la terre et ce qu'il y a entre eux deux. Comme c'est expliqué dans le Coran. Donc comme on dit, le monde des oiseaux, le monde des animaux, le monde de ci, le monde des anges, le monde des djinns, le monde, tout ça c'est les mondes. Les mondes. C'est pour ça qu'on dit Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et l'alamin, ça vient du mot en arabe, Al-alama, le signe. Pourquoi alors on a dit al-alamin, les mondes? Ça vient de la racine, les signes. Car les mondes, les créations, c'est un signe qui nous guide vers le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi c'est appelé alamin ou alam. C'est un signe. Tout ceci est un signe qui nous guide vers le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc, Rabbil alamin, ici tout à l'heure, on a expliqué le quand Allah ta'ala a dit Rabbil alamin, c'est que c'est lui seul qui se charge de créer, de régir, donner les bienfaits à toutes ces créatures, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui a la richesse complète, subhanahu wa ta'ala, et la créature, et tous les mondes, ils ont la pauvreté absolue. Et ils ont tous besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de tout point de vue, et de tout point de vue imaginable. Na'am. Maliki yawmiddin. Ici, si on lit Maliki yawmiddin, ça veut dire le possesseur du jour de la rétribution. Si on lit Maliki Yawmiddin, ça veut dire le roi du jour de la rétribution. Malik, c'est le roi. Malik, c'est le possesseur. Ça se rejoint. Le roi, c'est lui qui possède, subhanahu wa ta'ala. Non. Une parenthèse, malheureusement, beaucoup de gens appellent les anges Malik al-Maut. Le roi de la mort, c'est pas le roi de la mort. Malakul Maut, avec une fatha, c'est pas Malik. L'ange de la mort. Malak, ça veut dire ange. Malik, ça veut dire roi. Il suffit que tu mets une kasra au lieu de la fatha, t'as dit le roi de la mort, au lieu de dire l'ange de la mort. Donc, Maliki Yawmiddin, El Malik, le possesseur, c'est celui qui a la qualité donc de posséder, subhanahu wa ta'ala. Donc, ses effets, c'est qu'il ordonne et qu'il interdit. C'est lui le roi, celui qui possède, celui qui ordonne, celui qui interdit. Et celui qui récompense, et celui qui châtie. Et celui qui gère, et qui agit, et qu'il fait ce qu'il veut, avec ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala. Car ça lui appartient, subhanahu wa ta'ala. Et ici, le fait qu'il ait dit, Maliki Yawmiddin. Pourquoi il a lié la possession ou la royauté au jour du jugement dernier? Yawmuddin. Le jour de la rétribution. Ad-din, c'est la rétribution. Le jour du jugement dernier. Le jour où les gens seront rétribués pour leurs actes. Bons ou mauvais. Car c'est ce jour-là qu'il va être clair et apparent à toutes les créatures que la possession et que le pouvoir complet appartient à Allah seul. Et que c'est lui qui a la justice. Car c'est lui qui a le pouvoir complet, la justice complète et la sagesse complète, subhanahu wa ta'ala. Et que toutes les royautés et tous les pouvoirs de ce monde seront coupés. Donc là, le pouvoir d'Allah sera clairement apparent. C'est pour ça qu'il l'a désigné et il l'a lié au jour du jugement. Et c'est ce jour-là où Allah ta'ala va dire, où sont les rois de ce monde? Et personne ne va répondre. Car ce jour-là, les rois, les gouverneurs et les gouvernés seront au même piédestal. Les libres et les esclaves seront au même piédestal. Tout le monde sera debout devant le Seigneur et Maître de l'univers, subhanahu wa ta'ala, ou des mondes. Tout le monde sera avili,
rabaissé devant sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Tout le monde sera humble devant sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Tout le monde attendra la récompense. Tout le monde espérera d'être récompensé en bien. Et tout le monde aura peur de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ici, il a lié son pouvoir ou la royauté au jour du jugement dernier. Mais sinon, Allah, c'est pas le roi seulement du jour du jugement dernier. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le roi et le possesseur de dunya, de ce monde et de l'au-delà et de toutes choses. Mais ici, quand il dit Maliki Yawmiddin, il l'a spécifié avec le jour du jugement dernier. Pourquoi ? Comme on a dit, car c'est ce jour-là où ce sera apparent, clair, que personne ne possède de pouvoir sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Déjà, quand on fait la traduction en français, on fait un tafsir. Il faut savoir que la traduction, c'est du tafsir déjà. C'est pour ça que le Coran en français, ce n'est pas un Coran. C'est une exégèse simplifiée du Coran, en restant au plus proche des sens du mot, sans s'étaler. Mais celui qui a traduit, il a en vérité fait une exégèse. Il a fait une explication. Car « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », rien qu'en le traduisant, déjà on a le sens qu'on va expliquer. Car ici, en langue arabe, « na'budu iyyaka », on adore toi. Mais ici, pourquoi d'abord le complément il a été devancé ? Car ça, c'est une manière que les Arabes utilisent quand ils veulent dire qu'ils veulent renier cet acte-là d'autre que celui qui est cité. C'est-à-dire que l'adoration, c'est-à-dire c'est toi, on t'adore et c'est toi seul que nous adorons. En disant « Iyyaka na'budu », ça veut dire « c'est toi seul que nous adorons ». Donc traduire ça en disant « c'est toi que nous adorons », c'est une erreur. Car sinon, si c'était « c'est toi que nous adorons », on aurait dit, il aurait dit « na'budu iyyaka »,« na'buduka », tout simplement, on t'adore, c'est toi que nous adorons. Mais en disant « iyyaka na'budu », c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et c'est à toi seul qu'on implore le secours. Subhanahu wa ta'ala. Et ici, Allah Ta'ala, il a d'abord parlé de l'ibada avant l'isti'ana, l'adoration avant l'imploration du secours. Premièrement, c'est de d'abord donner le sens général avant de donner le sens précis. Car implorer le secours, ça fait partie de l'adoration. L'adoration, c'est général. Implorer le secours, c'est une adoration parmi les adorations. Donc la première chose, c'est qu'Allah Ta'ala a cité d'abord le sens général, puis un sens précis de l'adoration. Deuxièmement, c'est pour, par politesse, on apprend la politesse, c'est de devancer d'abord le droit d'Allah avant le droit de la créature. Le droit d'Allah, qu'on l'adore sans rien lui associer. Puis après, le droit de la créature, c'est-à-dire d'implorer Allah, d'avoir droit justement à cette aide d'Allah. C'est-à-dire que si tu veux accéder au secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire la première, être un bon adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adorer lui seul et ne pas lui donner d'associé. C'est pour ça que l'ibada ici, elle est devancée sur l'isti'ana. L'adoration, le sens de l'ibada, elle est devancée sur l'isti'ana. Qu'est-ce que ça veut dire l'ibada, l'adoration ? C'est un nom qui réunit tout ce que Allah aime et qu'il agrée subhanahu wa ta'ala parmi les actes ou les paroles apparentes ou cachées. C'est une ibada, c'est une adoration. Et l'isti'ana, l'imploration du secours, c'est quoi ? C'est de s'en remettre à Allah Ta'ala dans le fait de demander le bien et de repousser le mal avec une confiance complète en Allah que cette chose, elle va venir, elle va arriver, bi'idhnillah. C'est ça l'isti'ana. L'isti'ana, c'est de s'en remettre, de s'appuyer sur Allah Subhanahu wa Ta'ala dans le fait de demander le bien et de repousser le mal en ayant une confiance entière en Allah tabarak wa ta'ala. Et le fait d'accomplir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'implorer son secours et de s'en remettre à lui subhanahu wa ta'ala, voici la manière d'atteindre la félicité et la réussite et le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Beaucoup de gens se plaignent, ils ne sont pas heureux, mais le bonheur, alhamdulillah, Allah ta'ala, il nous a donné le chemin du bonheur, seulement on n'a pas voulu le mettre en pratique. Et l'adoration, elle est considérée comme adoration seulement si elle est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on a voulu en cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux
qui n'est pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel on n'a pas voulu le visage d'Allah, ce n'est pas considéré comme une adoration. Même si on voit la personne se lever, se coucher, s'incliner, se prosterner, si ce n'est pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ce n'est pas sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce n'est pas considéré comme une adoration. D'ailleurs, barakallahu fikum, les actes des serviteurs sont au nombre de 4. Comme il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Toutes les œuvres qui peuvent se passer sur terre, elles ne sortent pas de 4. 3 sont rejetées, une seule est acceptée. Une œuvre faite pour Allah est conforme à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui est acceptée. Une œuvre faite pour Allah, sincèrement, vraiment la personne elle est sincère, mais il n'a pas suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de le faire, elle est rejetée. Troisième catégorie, une œuvre faite en apparence, comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on dit en apparence? Parce que s'il le fait vraiment comme la sunna, il est sincère. C'est pour ça qu'on dit en apparence. En apparence, comme la sunna, conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans lequel il n'a pas cherché le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est refusée. Et une œuvre faite ni pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni conforme à la tradition de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est refusée. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah Ta'ala, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne action, une bonne œuvre, c'est-à-dire le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne donne aucun associé dans l'adoration de son Seigneur, ça c'est la sincérité. Et d'autres versets, et d'autres hadiths, le hadith de Aïcha qu'on connaît tous, celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est refusé. Attention, les deux versions, elles sont complémentaires. La version man ahdatha, celui qui a inventé dans cette religion ce qui n'en fait pas partie, ça lui sera rejeté. D'accord? Ça donne le sens que, c'est-à-dire toute invention, elle est rejetée. Mais l'autre, il donne un sens encore plus spécifique. Celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est rejeté. Ce hadith, il prouve que tu n'as pas le droit de faire un acte d'adoration avant d'avoir l'ordre. C'est sur ce genre de hadith qu'on se base pour dire que les adorations, elles sont tawqifiyah, que tout est haram dans les adorations tant qu'il n'y a pas un ordre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, donc il faut attendre l'ordre. Cela prouve qu'il faut attendre l'ordre avant d'agir dans les adorations. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens disent: quel mal y a, donne-moi la preuve que c'est haram. Non, donne-moi la preuve, toi, que c'est légiféré, tant que c'est une adoration. Par contre, dans les choses de la vie, en dehors des adorations, tout est halal sans qu'il y ait une preuve que c'est haram. Donc si dans les choses de la vie, quelqu'un vient te voir, te dire: c'est haram, mon frère, de te mettre tel vêtement. C'est haram de manger telle nourriture. C'est haram d'aller dans tel endroit. Tu vas lui dire: donne-moi le dalil. Vous avez compris? Dans les adorations, si quelqu'un fait une adoration, tu lui dis: c'est haram. Il dit: donne-moi le dalil. Tu dis: non, toi, donne-moi le dalil. C'est toi qui fais l'adoration. Et tu n'as pas le droit de la faire tant que tu n'as pas une preuve. Donne-moi toi le dalil. Alors que si c'est dans la vie de tous les jours, quelqu'un vient te voir et dit: donne-moi le dalil que c'est halal t'habiller comme ça. Tu dis: non, non, non. C'est à toi de me donner le dalil que c'est haram. Parce que ça fait partie des choses de la vie de tous les jours. Est-ce que c'est clair? C'est très important de bien séparer ces deux sphères et de bien comprendre cette règle. Si on comprend cette règle, on va comprendre la sunna et la bid'a très facilement. Très, ça va être clair comme de l'eau de roche. Aujourd'hui, subhanallah, des gens qui prétendent avoir étudié la science religieuse et prédicateurs, je ne sais quoi, quand on vient leur dire: yahi, pourquoi tu fais tel acte religieux comme ça et comme ça? Donne-moi le dalil que c'est haram. Tu as la base déjà de la sunna et la bid'a, tu ne l'as pas étudié. Tu n'es pas capable de comprendre que c'est à toi de donner le dalil pour faire un acte religieux. Si à partir de là, on ne se comprend pas, on ne peut pas discuter plus loin. C'est pour ça l'imam chef, il disait: je n'ai pas polémiqué avec des savants sans que j'ai gagné. Mais jamais un ignorant n'a polémiqué avec moi sans que ce soit lui qui gagne. C'est normal, l'ignorant, il n'a pas de règles. Il ne connaît pas usul al-fiqh, il ne connaît pas les bases du Coran, des hadiths. Tu lui expliques, il ne comprend rien. Il te répète les mêmes choses bêtement. Tu lui dis: qala Allah, qala Rasulullah. Lui, il le comprend à sa compréhension à lui. Il n'a pas étudié. Tu peux parler 1000 heures avec lui, il va gagner. Vaut mieux jeter l'éponge dès le début. C'est pour ça, un ignorant, si dès le début tu lui as dit, il n'accepte pas, il faut le dire barakallahu fik. Tu veux écouter, barakallahu fik. Tu ne veux pas écouter, le jour du jugement dernier, tu rendras des comptes. Salam alaikum. Un ignorant, tu peux parler avec lui des heures, ça ne sert presque à rien. S'il n'est pas prêt à apprendre. C'est pour ça, Allah Ta'ala dit: wa idha khatabahumul jahiluna qalu. Salam. Naam. C'est la meilleure manière. Taïb. Donc, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On a parlé de l'action, donc acceptée et rejetée. Et aussi, barakallahu fikum. Très important.
Subhanallah. Ce verset, il nous montre qu'on a besoin d'Allah dans toute chose. Qu'on a besoin de prendre son aide et d'implorer son secours et de s'appuyer sur lui sur toute chose. Même pour faire les obéissances et délaisser les interdits. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Mu'ad? Il a dit à Mu'ad, je t'aime. Ne laisse pas de dire après chaque prière, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. C'est-à-dire, il lui a donné un de ses conseils de ne jamais délaisser ça. De dire quoi? Ya Allah, aide-moi. Aide-moi à quoi? À ce pourquoi il t'a créé. Car si Allah ne t'aide pas et ne te permet pas de faire ce pourquoi il t'a créé, tu ne peux pas le faire. On a toujours besoin de la permission et de l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de dire donc de toujours demander l'aide d'Allah pour lui obéir. Ya Allah, aide-moi à ton évocation et à ce que je sois reconnaissant et à ce que je t'adore avec perfection. Il lui a dit de ne pas oublier de dire ça à la fin de chaque prière. Et regardez, c'est-à-dire il lui a bien montré que s'il lui donne cette dua, c'est qu'il l'aime beaucoup. Il lui a dit qu'il l'aimait et il lui a donné cette dua. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi avec ses compagnons. Voilà en ce qui concerne Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit de la rectitude. Quand on dit guide-nous, ça a plusieurs sens. C'est-à-dire indique-nous et guide-nous et permets-nous. Donc al-hidayah, c'est tout cela. Quand Allah Ta'ala dit wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est la guidée de l'indication, pas la guidée de la permission, c'est pas lui qui permet, qui décide de guider tel ou tel. Car Allah Ta'ala lui dit, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc là, quand Allah Ta'ala dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un guide, dans le sens, c'est celui qui indique le chemin. Pas un guide dans le sens où il choisit qui sera guidé ou non. Seul Allah guide les gens, cette manière-là. Alors que hidayat al-dalalat wal-irshad, le fait d'indiquer, d'être un guide pour les gens, pour montrer le chemin, ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait. Et ses héritiers après lui, parmi les savants et les prédicateurs qui viennent derrière, le font. Alors que la guidée, c'est-à-dire la permission et la réussite dans cette guidée, ça, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala qui le possède, subhanahu wa ta'ala. Naam. Et as-sirat al-mustaqim, le chemin rectiligne, c'est le chemin clair qui emmène vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui mène vers son paradis, et qui mène vers le fait de connaître la vérité et d'agir avec, de connaître la vérité et de la mettre en pratique. Et quand il dit ihdina as-sirata al-mustaqim, ça comprend le sens ihdina ila as-sirat wa ihdina fi as-sirat. Guide-nous vers le chemin rectiligne et guide-nous dans le chemin rectiligne. Quelle est la différence? Vers le chemin rectiligne, c'est-à-dire vers l'islam. La guider vers l'islam. Et dans le chemin rectiligne, c'est les détails des pratiques religieuses. Donc ihdina as-sirat al-mustaqim, ça comprend les deux sens. Guide-moi vers l'islam. Et guide-moi dans l'islam. Une fois que je suis dans l'islam, guide-moi aussi. De pratiquer l'islam comme il se doit. De connaître la vérité et de la mettre en pratique. Et pas seulement dans la connaissance. Dans la connaissance et la pratique. Car l'objectif de la connaissance, c'est quoi? C'est de mettre en pratique. Non. C'est pour ça que cette invocation, barakallahu fikoum, c'est l'invocation la plus complète. Et la plus utile pour le serviteur. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala l'a rendu obligatoire dans chaque unité de prière. Dans chaque unité de prière, il a rendu obligatoire qu'on récite cette dua, cette invocation. Car le serviteur et l'esclave a absolument besoin d'Allah, de toutes ces choses qu'on demande. Allah tabarak wa ta'ala. Et quel est ce chemin droit? Allah ta'ala, c'est lui-même qui l'a expliqué. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Dans un autre verset, Allah ta'ala explique qui sont ceux qu'il a comblés de bienfaits. Hein? Voilà ceux dont Allah ta'ala a comblé de bienfaits. Minan nabiyyin, parmi les prophètes. Was-siddiqin, les véridiques. Wash-shuhada, les martyrs ou les témoins, les deux sens sont dans shuhada, was-salihin et les gens pieux, wa hasuna ulaika rafiqa. Et ces gens-là sont de très bons compagnons dans le sens des versets. Naam. Donc on demande tous les jours qu'Allah Ta'ala nous guide sur le chemin des prophètes, le chemin des véridiques, le chemin des martyrs et des témoins d'Allah sur cette terre. Et le chemin des gens pieux. Ça, c'est une preuve aussi, barakallahu fikum. Subhanallah, regardez les savants, d'où sortent certaines preuves. Cheikh Mohamed Lamine Shinqiti, rahimahullah, dans l'adwa, dit que ceci est une preuve sur la véracité et sur la confirmation du califat de Abu Bakr Siddiq. Comment?
Parce qu'Allah Ta'ala dit, guide-nous sur le chemin des prophètes et des véridiques. Et il y a plusieurs preuves que le véridique de cette communauté, c'est qui ? Abu Bakr. Donc ça prouve qu'il était bien guidé. Donc ça prouve que son califat, il était dans la bonne guidée. Regardez, avec juste ce verset, comment les gens ils ont prouvé la véracité du califat d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Non. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ici, les Mufassiroun, à toutes les époques, ont dit ceux qui ont encouru ta colère, ce sont les juifs, et les égarés, ce sont les chrétiens. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens, ils n'ont pas encouru la colère d'Allah ? Allah, il est en colère aussi contre eux. Allah, il est en colère contre tous les koufars. Et est-ce que ça veut dire que les juifs, ils ne sont pas égarés ? Si. Mais pourquoi ici, le Mardoubi alayhim, il parle des juifs, et ceux qui ont, ils sont égarés, c'est les chrétiens ? C'est parce que c'est des caractéristiques spécifiques à eux, par lesquelles ils se sont démarqués, plus que les autres. Est-ce que c'est clair, ça ? Les juifs, dans plusieurs versets, Allah tabaraka wa ta'ala a clairement dit, wa ghadiba Allahu alayhim, etc., de plusieurs versets dans le Baqara ou dans d'autres versets, où Allah ta'ala dit qu'il a été en colère contre eux. En parlant des chrétiens aussi, il y a des versets où Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'ils se sont égarés du droit chemin. Donc c'est des caractéristiques qu'Allah Ta'ala a spécifiées à ces gens-là, mais elles ne sont pas les seules qui sont concernées par cela. Tous mes créants ont été égarés, et tous mes créants sont sous la colère d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. D'accord ? Mais ici, quand Allah Ta'ala dit « غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ » non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, mais ceux qui ont encouru la colère, comme ils ont dit les Mufassiroun, c'est les juifs et ceux qui sont comme eux. On va dire, c'est pas les juifs parce qu'ils sont juifs. Vous allez comprendre. Et les chrétiens et ceux qui sont comme eux. Les juifs et ceux qui sont comme eux. Comme eux, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu la vérité, mais qu'ils l'ont rejetée. Toute personne qui reconnaît la vérité et qui la rejette, il est parmi le mardoubi alayhim. Il est parmi ceux qui encourent la colère d'Allah. Il reconnaît la vérité, mais il la rejette. Est-ce qu'Allah Ta'ala n'a pas dit en parlant des juifs, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum? Ils connaissent le prophète comme ils connaissent leurs enfants. Ils connaissent le prophète aussi bien qu'ils connaissent ses enfants. Tu lui dis, t'as combien d'enfants, comment ils s'appellent ? Il est capable de te le dire. Ben, ils savent que c'est un prophète aussi bien que ça. Mais ils n'ont pas voulu croire en lui. Donc, toute personne qui connaît la vérité et qui ne la suit pas, il fait partie des mardoubi alayhim, de ceux qui encourent la colère d'Allah. Et toute personne qui, comme les chrétiens, ne connaissent pas la vérité, mais qui ne cherche pas à la connaître. Il ne connaît pas, mais ça ne le dérange pas de ne pas connaître. Il est content dans son égarement. Alors, ça, c'est dhali. Il y a des gens aussi comme ça qui ne sont pas chrétiens. Il est égaré, mais ça ne le dérange pas d'être égaré. Il y a même des gens qui font des innovations, qui font des shirkiyats, des choses de shirk, mais ça ne lui viendrait jamais à l'idée de chercher à comprendre ou de demander au shirk qui est à côté de chez lui ou pourquoi les gens de son village ne font pas comme lui, ils n'adorent pas les tombes. Non, ils continuent à adorer les tombes. Les gens ils vont dire oui, mais il est ignorant. Mais cette ignorance-là, elle n'est pas excusable, car il a le moyen d'atteindre la science. C'est pas quelqu'un qui est dans un qui a pas le moyen d'atteindre la science, qui a fait des efforts et il l'a pas atteint, qui est nouveau converti, il est en train d'apprendre. Non, il est ignorant, mais il se complaît dans son ignorance. Donc cette personne-là, huwa dhal, comme les chrétiens, c'est un égaré. Non. Cette sourate-là, malgré qu'elle soit courte, elle renferme des choses qu'on trouve pas dans d'autres sourates du Coran. Dans cette sourate, l'imam Sa'di il dit, on retrouve les trois catégories du tawhid. Mais moi, je vous rajouterai de ce qu'on a vu dans le livre de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wassabi, qu'on retrouve même les quatre catégories du tawhid. Vous allez me dire, c'est quoi la quatrième catégorie ? Je vais vous expliquer, Inch'Allah. Non. Qui a dit l'Hakimiyya ? L'Hakimiyya, elle fait partie intégrante de l'Uluhiyya, de l'Rububiyya ou de l'Asma al-Sifat. Elle fait partie du tawhid. C'est pas un tawhid à part. C'est une partie parmi les catégories du tawhid. C'est pas une catégorie de tawhid à part. Rabb, c'est Allah. Wa huwa alladhi yahkum. Le Seigneur. Donc, ça fait partie de Rububiyya. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen avait dit ça, dans le sens que ça fait partie de Rububiyya. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit que ça fait partie de l'Uluhiyya, dans le sens où quoi? T'adores Allah en mettant en pratique sa loi. Wadih? Et ça fait partie de l'asma wa sifat, parce que Allah ne juge pas une chose sans sagesse. Huwa al-alim ou al-hakim. Donc, ça rentre dans les anwar, les catégories du tawhid. Ce n'est pas un tawhid à part entière. Non. Donc, il a dit ici les trois catégories de tawhid. D'abord, il parle de tawhid de Rububiyya, le tawhid dans la seigneurie. C'est-à-dire que c'est lui le seigneur. Et ça, on le prend de la parole d'Allah, Rabbil Alamin, le seigneur et maître des mondes. Et le tawhid dans la
divinité d'Allah tabarak wa ta'ala et dans le fait de lui vouer une adoration exclusive. Et ça, on le prend de la parole de Alhamdou, Lillah, pour Allah seul. Donc ça montre l'exclusivité à Allah. Et on le prend aussi du sens Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in. À toi seul que nous implorons le secours. Et aussi, ça renferme le tawhid, l'unicité dans les noms et les qualités et les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. Et qu'on affirme les qualités parfaites et complètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'est affirmé à lui-même et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah tabarak wa ta'ala sans les délaisser ni les déformer, barakallahu fikum, ni même dire qu'elles sont semblables aux qualités des créatures, ni même en demandant comment. C'est important, ça c'est les quatre règles dans l'asma wa sifat. On affirme dans les noms et les attributs d'Allah, premièrement, on n'affirme pas un nom ou un attribut à Allah sans qu'il y ait une preuve du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on affirme tout ce qu'Allah ta'ala s'est affirmé à lui-même et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est affirmé à Allah ta'ala. Et on renie tout ce qu'Allah ta'ala a renié à lui-même et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renié à Allah en affirmant la qualité opposée dans la perfection. Sans, barakallahu fikum, rejeter, délaisser ce sens-là, ni même l'altérer, le déformer, ni même dire qu'il ressent ou qu'il est semblable aux qualités des créatures, ni même demander comment. C'est ça la croyance des gens de la sunna et du consensus dans les qualités et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demander comment, c'est une bid'a. Poser les questions que les compagnons n'ont pas posées, c'est une bid'a. Pourquoi tu poses des questions que sahaba ils n'ont pas posées? Est-ce que les compagnons ils ont posé des questions? Ouais, mais quand Allah il descend, est-ce que ça se passe comme ça ou ça se passe comme ci? Ou ils ont cru et ils ont affirmé? Ils ont fait quoi? Ils ont cru, ils ont affirmé, ils ont posé des questions? Non. Ils sont entrés dans les détails? Non. C'est des choses de l'invisible. Pourquoi tu veux plier Allah Ta'ala à ta logique et aux règles matérielles de ce monde? Comme si Allah Ta'ala était soumis à ces règles. Ces règles, elles sont pour nous. C'est Allah qui nous les a soumises, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous a mis ces règles pour nous. Wadih, inshallah. Et la preuve, donc, qu'il y a le tawhid, le monothéisme dans les noms et les attributs d'Allah, c'est Alhamdu Lillah. Comme on a dit Alhamdulillah, Alhamdu, c'est dans le sens, toutes les louanges à Allah Tabaraka Ta'ala. Il mérite les louanges de par toutes ses qualités parfaites, subhanahu wa ta'ala, et complètes. Et aussi le fait que Allah ta'ala dit Ar-Rahman Ar-Rahim, il a cité les noms et les qualités d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et avant cela, dans Bismillah, on a dit je commence par tous les noms et les qualités et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et dans Ihdina as-sirat al-mustaqim, il y a le quatrième tawhid, tawhid al-ittiba', l'unicité dans le suivi. C'est-à-dire que le seul qui mérite d'être suivi sans preuve, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui sont suivis sans preuve, ils sont suivis en vain. Sans preuve. S'ils sont suivis avec des preuves, alors c'est pas en vain. Non. Donc, ihdina as-sirat al-mustaqim. Et ça, ce n'est pas possible sans le message. Le chemin droit, c'est avec le message qu'on a connu le bon chemin. Donc, il fallait les messagers. De même que dans cette sourate, il a affirmé d'autres points parmi les piliers de la foi. C'est le fait que les gens ils sont récompensés pour leurs actes dans la parole d'Allah Ta'ala, Maliki Yawmiddin, le possesseur ou le roi du jour des récompenses ou de la rétribution. Et ça, ce sera avec justice, subhanahu wa ta'ala. Car ad-din, ça veut dire la récompense juste. C'est ça ad-din dans la langue arabe. Et il y a aussi dans cette sourate l'affirmation de la destinée d'Allah et que les serviteurs font leurs actes en réalité, contrairement à ceux qui renient Al-Qadar, la destinée, et Al-Jabriya, ceux qui se renient la destinée, qui disent que l'homme il crée ses actes, et Al-Jabriya, ceux qui disent que l'homme il n'a aucune décision, aucun pouvoir décisionnel, aucun libre arbitre. Nous, Alhamdulillah, Ahl Sunnah wal Jama'a, on dit que tout est sous la destinée d'Allah, et Allah il a destiné que l'homme il a un libre arbitre, c'est pour ça qu'il sera jugé, qu'il sera récompensé et châtié pour ce qu'il a choisi. Non. Mais de toute façon, tout cela, ça ne sort pas de la destinée d'Allah. Quand on dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim », ça c'est une réponse à tous les gens qui suivent les innovations et les égarés, car le chemin droit, c'est le fait de reconnaître la vérité et d'agir avec. Et tout innovateur ou tout égaré, ils sont en contradiction avec cela, car ils ne cherchent pas la vérité, ou alors ils n'ont pas reconnu la vérité, ou ils l'ont reconnue et ils ne la pratiquent pas. Et « as-sirat al-mustaqim », c'est quoi « as-sirat al-mustaqim » C'est la connaissance du bon chemin et la pratique de cette connaissance-là. Donc, les innovateurs et les égarés, ils sont en contradiction avec
ce verset. Car ou ils ne connaissent pas le bon chemin, ou ils le connaissent et ils ne le mettent pas en pratique. Et aussi, cette sourate, elle montre bien, elle appuie bien le fait de vouer un culte pur et exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration et dans l'imploration du secours, quand on dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » qui est la base, le pilier de cette religion, le monothéisme pur dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce pourquoi tous les prophètes et les messagers ont été envoyés. Voilà ce que l'on peut dire en résumé sur cette sourate. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah wa qur rabbi zidni ilma.